Salut Léo, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va nickel. Alors tu viens de finir ton show, c'était comment? C'était incroyable. Les gens en Namur, je sais pas, il y a une énergie, ils sont chauds, donc ça fait toujours plaisir. Je sais pas, ils ont une énergie que tu vois pas genre à Bruxelles, je sais pas pourquoi. Alors toi, donc tu fais partie de la nouvelle génération belge. On pourrait penser que tu fais du rap, mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah c'est clair qu'il y a vraiment une grosse sauce R&B. Après, c'est pas non plus, on va dire, de la pure. Parce que ça, c'est tragédie, tu vois. Ouais, c'était à l'ancienne. Ouais, que j'adore d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette patte-là. Après, moi, j'aimerais bien faire avancer le truc. Nouveau, l'R&B, c'est une grosse pièce du puzzle, mais c'est pas tout, quoi. Ok. Donc là, tu me parles de tragédie, mais c'est quoi tes influences musicales en fait, au-delà de, par exemple, de tragédie, peut-être que t'adores le jazz, j'en sais rien, tu Au-delà de vois. tragédie. Écoute, mes influences, mais. Tu vois, surtout aujourd'hui avec l'ère des playlists et tout, j'ai l'impression que les influences de tout le monde sont hyper larges, tu vois, moi y compris. Tu vois. Donc, je pense que, tu vois, dans un monde où on écoute tous, on est tous exposés à tout, c'est juste à quoi est-ce que tu vas être sensible et dans quoi est-ce que tu vas t'identifier le plus, parce que vraiment on entend tout, tout le temps, je trouve, aujourd'hui dans les genres, tu vois. Donc, après moi, pendant longtemps, même si c'est pas ce que je fais musicalement, on m'a souvent parlé de Anderson .Paak parce qu'il a ce truc où il chante et il joue un instrument. Donc pas forcément pour la musique, mais pour un peu l'énergie que tu donnes aux gens, je dirais Anderson .Paak. Ouais. Ok, et par exemple, dans ta jeunesse, toi, t'écoutais quoi comme Oh putain. musique? Déjà dans ma jeunesse, mec, genre, bon, faut savoir, mes deux parents ils nous emmenaient à l'église parce que ma mère elle chantait, mon père il faisait le son, donc tous les dimanches on était là à 8h. Donc déjà la musique pas chrétienne, j'en ai pas vraiment écouté avant d'avoir genre 12 ans, tu vois. Ah oui, ok. Ah oui, ok, Nous, c'était d'accord. Un vraiment autre genre. gospel, 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 musique chrétienne pendant longtemps. Et après, franchement, mec, c'est bizarre parce que comme je fais de la funk, t'as beaucoup de gens, ils me parlent de genre chic, de cool and the gang et tout. Mais moi, la vérité, j'ai découvert la funk avec Martin Solveig. Ah oui, Tu te ça n'a rien à rappelles? voir, non? Ouais, mais tu te rappelles Ah, Jealousy, ce projet-là. Yeah, ok, Ah je ouais? vois, ouais. C'est à cette époque-là, et j'avais entendu ça, je me suis dit, putain, c'est trop stylé. Ça. Mais c'est là mon premier goût de la funk, c'était Martin Solveig. Donc toi, t'es instrumentaliste aussi, au-delà d'être chanteur. Je sais que tu fais de la guitare, de la basse. C'est quoi ton instrument de prédilection? T'en as d'autres, par exemple? Moi, je fais surtout la basse. Si vous me voyez jouer autre chose que guitare ou basse, je suis en train d'escroquer, tu vois. Imposteur. Genre, je sais jouer la vidéo, mais rien de plus, quoi, tu vois. Mais surtout, ouais, basse. Guitare, j'aime bien. Mais je sais pas, basse, je me retrouve plus. C'est plus fun, tu Tu t'exposes pas mal dans la musique en chantant en français. Est-ce que c'est toi qui écris tes textes, tous tes textes? vois. Moi, j'écris toujours. Il y en a où j'écris tout. Et il y en a où je prends de l'aide. Mais même quand je prends de l'aide, en fait, j'ai mon copain Elior. Salut, Elior. Avec qui je fais mes textes. Pas tous, mais qui a fait Roi du Monde et Bouteille à la Mer avec moi. Et ce que je fais souvent, c'est que j'écris les textes sans forcément les structurer en chanson. Mais au moins, il y a les mots, il y a les idées, il y a les images. Après, lui, il va m'aider un peu, genre, En caser ça, structure. Ok. structurer les idées un peu, tu vois. Mais je trouve qu'en français, c'est toujours. Enfin, c'est une langue tellement vulnérable, surtout par rapport à l'anglais où tu peux un peu créer une distance, surtout quand tu vis en français et tu chantes en anglais. Que même si tu t'écris avec d'autres gens, tu as besoin d'une base qui vient de toi, parce que c'est tellement concret. Tellement vite, tu vois, que je trouve c'est important d'essayer de. Même si tu fais pas tout, faut qu'on sente un maximum la personne, tu vois. Écrire en français, c'est vraiment de la poésie, tu vois. T'essaies C'est vraiment de déjà un créer skill des en images. lui-même d'écrire en français, Ouais, tu c'est son propre truc, parce que c'est. T'essaies vraiment de mettre un film dans la tête des gens, tu vois. Et en anglais, je suis pas expert, mais c'est beaucoup plus efficace, et ça tape plus, et c'est plus littéral, tu vois. Il y a moins ces petits jeux de mots, il y a moins de métaphores, Ok. peut-être, de ce que Ouais. je vois, tu vois. Et tu me parles d'histoire. On ressent dans tes sons que t'aimes bien faire passer des messages, des histoires, écrire. Une espèce de film dans la tête des gens. C'est quoi les messages que t'aimes le plus faire passer dans tes sons? Les messages que j'aime le plus faire passer dans mes sons. Bah en fait, moi il y a ce truc, je sais pas si tu connais, mais. Moi, mes chansons préférées, genre du monde. C'est celle où t'es triste, mais t'as trop envie de danser en même temps, comme ça. Tu sais ce que je veux Ok, dire? oui, je vois Il y a à un peu près terme, ils quoi. appellent ça le happy sad, tu vois? Ok.
où t'es en mode ah, bah vas-y, on va danser quand même. Et ça, je sais pas, c'est un mélange tellement intense, très dur à faire parce que tu sais, la ligne elle est très fine, tu vois, de cet équilibre là. Mais quand ça marche, ouais. Est-ce que c'est tes histoires à toi, c'est ta vie à toi qui est à la base de tous les messages que tu veux faire passer, de toutes les histoires? Ouais, c'est tout. Pour l'instant, c'est le cas en tout cas. C'est que des histoires à moi. Mais pas de bullshit. Non, mais c'est pas si dur en vrai. Parce que parfois, je pense que les gens, ils se disent que ils ont rien à dire dans leur vie. Mais c'est juste que faut être attentif. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, il y a des histoires qui se passent autour de nous, mais on n'y est pas tout le temps ouvert. Tu vois? Et je pense que c'est un truc qui se travaille. Et donc, une fois que tu arrives un peu à voir un peu ces histoires qui se passent autour de toi, là, ça devient facile. Tu vois? Mais faut faire l'effort d'abord. Je pense qu'on a tous des histoires à raconter, il faut juste savoir y mettre les mots. Et je pense que ça, c'est plus compliqué pour les gens. Ça vient avec le temps, tu vois, faut le faire. Genre mon pote Chris, là, qui nous donne un coup de main, lui, c'est un champion du monde pour ça, tu vois. Genre lui, il y a un mec qui lui parle mal dans le bus, il me dit, ah ouais, comme ça, j'ai commencé à écrire une chanson, ouais, tu vois. Je suis pas à son niveau, mais je commence, tu vois, un peu à être plus ouvert à ce qui se passe autour de toi, tu vois. Ok, ouais. C'est limite un bon conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans la musique ou... Ouais, parce que tu vois, autant les histoires, ça c'est ta vie, tu peux pas trop fabriquer ça, mais comment tu vas les raconter, ça c'est totalement un skill que tu peux travailler, tu vois. Ouais. Ok. Certains t'ont découvert pour ton format 55 secondes avec Léo sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, 55 secondes, ça c'était un moment. C'était quand? C'était avant le Covid même. C'était avant le Covid. Et en fait, ouais, c'était né en fait pas vraiment une frustration, parce que ouais, c'est pas si mal que ça, mais tu vois, une fois que t'es signé, t'as une structure autour de toi, sortir un son, c'est tout un bazar, tu vois. Faut que telle personne approuve, faut qu'il y ait ce clip-là, faut qu'on ait ces playlists-là et tout. Et au sein de ça, parce que je venais de mettre avec Sony à l'époque, je voulais trouver un moyen de pouvoir exprimer des idées musicales d'une manière qui est quand même à moitié aboutie, mais sans toute la pression de sa SMC playlist là, tu vois. Et c'est venu de là, ouais. C'est parti de là, et donc on voit que tu fais pas mal de featuring, ouais, justement avec des artistes. Ouais. Et puis ça va encore plus loin dans le featuring, parce qu'on t'a vu par exemple avec April sur un son. Ouais. April qui a un univers complètement différent du tien. Ouais. Est-ce que t'aimes bien faire ça, sortir de ta zone de confort? Mais moi, il y a que ça de vrai, il faut faire ça. Tester des choses. Parce qu'en tant qu'artiste, on est tous juste la somme de nos influences. Donc, au plus tu arrives à rajouter, au plus c'est intéressant, je trouve. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets futurs? Est-ce que tu vas continuer cette formation Instagram? Est-ce que tu as un autre projet dont on n'a pas entendu parler encore? Bah, alors déjà, c'est clair, ça va revenir à un moment, les 55. Parce que la musique, je ne m'inquiète pas du son, c'est juste le format dans le contexte des réseaux d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tellement... Ça bouge tellement vite aujourd'hui. Et puis c'est tellement varié. Ouais, tu vois, et j'ai pas encore trouvé un truc qui me fait vraiment kiffer dans la forme, pas forcément dans le fond. Le fond, ça va, tu vois. Après, dans les projets, bah écoute, là, on prépare les nouveaux titres, comme toujours, quoi. Ouais, tu vois, on avance ça. Et vous allez me voir peut-être en tant que musicien pour des artistes que vous aimez bien. Mais je vais pas dire qui encore. Okay. Voilà. Ok, ça va être la surprise alors. Ça sera la surprise, ouais. Ben merci beaucoup Léo, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Totalement, ouais. Et puis on attend avec impatience les futurs projets. Et en attendant, on va s'écouter ton dernier projet. Trop voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.